Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là avec nous. On va commencer ce live avec un peu de retard. On s'en excuse, on a eu des soucis techniques. Voilà, c'était assez prévisible, mais ça va, on est toutes là. On attend encore Malika qui va nous rejoindre en cours de route. Mais donc, le sujet de ce meeting ce soir, c'est le travail des femmes et l'organisation de la résistance. Il est organisé par la gauche anticapitaliste, qui est une organisation révolutionnaire et dont vous pouvez, sur laquelle vous pouvez trouver plus d'informations sur la page Facebook et sur le site internet. En particulier, il est organisé par la commission féministe de cette organisation qui s'appelle Féminisme Yé, qui a aussi une page Facebook que vous pouvez consulter. Alors, juste un petit mot sur ce sujet, le travail des femmes, juste pour vous situer un peu dans quelle perspective nous on l'entend. Donc, ce n'est pas du tout dans l'idée qu'il y a un travail naturel des femmes ou que les femmes sont naturellement enclines à faire certaines tâches, contrairement aux hommes. Non, c'est dans une vision plus historique et politique des choses, et donc une vision qui part du constat qu'il y a une division genrée, division sexuelle du travail. Et donc, les femmes, elles ont été historiquement assignées à certaines tâches ou mises dans certains emplois. C'est notamment comme ça qu'on le voit. Pour prendre un exemple, pour les femmes migrantes, quand elles doivent faire, elles sont dans le parcours de migration et qu'on peut leur proposer des formations, on va plus volontairement leur proposer des formations d'aide-soignante ou dans le nettoyage. Et c'est comme ça, par ce processus-là, notamment par d'autres processus aussi, que les femmes et les femmes issues de l'immigration, les femmes exilées, sont surreprésentées dans les emplois comme aide-soignante et le nettoyage. Et on sait que ces secteurs-là de travail, mais c'est des laboratoires très importants pour le capitalisme, pour casser les droits sociaux des travailleuses. C'est un peu le même constat, mais on y reviendra avec l'intervention de Rosetta probablement, dans le commerce. Le commerce, c'est un secteur qui a été très fort féminisé et ça a fait perdre énormément de droits sociaux dans le secteur et on a pu constater la dégradation des conditions de travail. Donc, quand on parle du travail des femmes, ben, c'est ce travail-là, c'est ce travail très précarisé, très peu rémunéré, mais c'est aussi tout le travail gratuit que fournissent les femmes, soit parce qu'elles n'ont pas accès à un emploi, et le travail dans leurs espaces de vie privée, comme on dit, à la maison, le ménage et tout ce genre de choses. Le travail des femmes aussi, c'est du travail dans tout le secteur informel. Et donc, dans ce secteur informel, plus connu sur le nom du travail au noir, eh ben, le problème, c'est que ça empêche tout l'accès à énormément de droits sociaux. Voilà, donc la démarche de ce soir, c'est de visibiliser ça, mais aussi de visibiliser l'organisation de la résistance et d'action de résistance. Et pour ça, on a plusieurs intervenantes. On va commencer par Bintou, qui est membre de la coordination des sans-papiers. Ensuite interviendra Maïté, qui est enseignante en histoire. Ensuite, Rosetta, qui est travailleuse déléguée dans le commerce. Fanny, travailleuse dans un musée. Malika, membre de la santé en lutte. Et quelques questions, peut-être pas beaucoup, mais quelques questions à la fin. Donc, n'hésitez pas déjà, même pendant les interventions, à noter vos questions en bas du live. Voilà, et je passe directement la parole à Bintou. Bonsoir tout le monde. Je suis Bintou Touré, membre de la Voix des sans-papiers de Saint-Josse. Et je suis aussi membre de la coordination des sans-papiers de Belgique. La Voix des sans-papiers, c'est un collectif qui regroupe une centaine de sans-papiers
nous sommes situés à la place Kételé où nous occupons un bâtiment. Non pas seulement pour résoudre le problème de logement, mais c'est aussi pour signifier à la population que nous sommes là. Nous sommes les sans-droits. Par ailleurs, à la coordination, nous avons au moins 8 collectifs qui chacun d'eux ont délégué 2 ou 3 mandataires pour essayer de conduire l'agenda politique des sans-papiers auprès des politiques et des citoyens ou des associations. Notre travail s'inscrit dans la recherche d'une solution durable pour les sans-papiers, c'est-à-dire la régularisation des sans-papiers en Belgique. La régularisation, c'est pour nous la seule option qui peut nous permettre d'intégrer l'état de droit belge. Les enjeux aujourd'hui s'inscrivent dans ce contexte sanitaire. Nous sommes les oubliés de cette crise. Ni les experts, ni les gouvernements ne parlent pas de nous. Et pourtant, en tant que sans-papiers, nous sommes au bout de la chaîne des personnes les plus pauvres de ce pays. Sachant que le COVID-19 suit la pauvreté, de même, nous ne sommes pas pris en ligne de compte. Avant les élections, nous avons produit 2 cahiers de revendications, dont la première à l'intention des communes et la deuxième à l'intention des fédéraux. Tout ce que nous demandons, c'est la régularisation. Le besoin primordial de notre collectif est que nous soyons écoutés par les politiques. C'est eux qui ont la décision finale de nos vies. Nous avons besoin d'avoir notre espace pour dire des choses par nous-mêmes. Nous sommes les mieux placés pour exprimer notre réalité. À la manifestation du 25 novembre contre les violences faites aux femmes, les organisatrices ont refusé la parole aux femmes sans papier. Ce que j'ai trouvé vraiment aberrant. Parce que les femmes sans papier sont exploitées à tous les niveaux. Elles sont exploitées dans le travail au noir. Elles sont exploitées dans tous les secteurs. Elles ne peuvent même pas aller porter plainte parce qu'elles n'ont pas le droit. Elles sont illégales, elles sont déclarées illégales dans le pays. Elles vivent dans la clandestinité. À celle du 8 mars, nous avons bénéficié du soutien du collectif des femmes racisées. Nous voulions que toutes les femmes qui se disent féministes prennent à bras le corps la problématique des femmes sans papier. Elles peuvent nous associer pour revendiquer toutes ensemble l'avancée de nos droits. Nous voulons d'une solidarité sans frontières, sans racisme, une solidarité dans le respect de ce que nous sommes et de la mise en lumière de nos revendications. On ne veut pas être là pour être seulement accompagné ou être désassisté. Nous voulons aussi être libres, indépendantes et revendiquer nos droits qui ne sont que des droits humains. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention, Bintou. C'est évident que la place des femmes sans papier est à l'avant des luttes, tout à fait. Je passe maintenant la parole à Maïté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je me présente Maïté. Je suis Maïté, je suis enseignante en histoire en 5e et 6e secondaire dans une école au bas de Schaerbeek. Alors, mon école a un public de quartier, un quartier assez mal famé par ailleurs. Et je fais partie des enseignants qui vont former toute une génération de jeunes ouvriers qui vont se former pour devenir des garagistes, des chauffagistes, des sanitaires, des électromécaniciens, même des informaticiens. Et dans mon école, nous avons aussi pas mal de publics issus des classes d'ASPA, c'est-à-dire des classes de primo-arrivants qui viennent d'arriver. Et on a une grande arrivée d'élèves syriens, par exemple, qui ont fui le conflit et qui vont avoir un an d'intégration et qui, puis finalement, vont essayer d'intégrer l'école. Donc, ça, c'est un peu pour vous présenter quel est le public dans lequel on travaille, avec lequel on travaille. Et moi, je comptais aujourd'hui vous expliquer un peu, depuis la perspective d'une enseignante,
d'une enseignante qui donne cours dans un milieu, je ne sais pas si vous l'aurez plus ou moins compris, extrêmement masculin, puisque je forme la plupart des ouvriers, tous mes jeunes élèves sont la plupart des garçons. Sur 130 élèves, j'ai 13 filles, on va dire moins de 10% ou 10%. Et je voulais vous montrer quelle est la perspective d'une enseignante qui rame pour essayer de tous les jours de créer un lien social, un contact et montrer l'éducation autrement que juste par l'école va vous donner un diplôme qui va vous former pour avoir un boulot et qui doit tout faire pour sortir de la relation où c'est les hommes qui ont la discipline, qui ont l'autorité naturelle. Donc moi, je réussis à créer ou j'essaye la plupart du temps de créer un lien de confiance et de bien-être avec mes élèves, un lien social dans lequel si eux, me font confiance, moi, je peux les emmener à l'apprentissage. Et je voulais vous expliquer un peu comment s'est passé ce confinement et comment j'imagine ce déconfinement et toutes les catastrophes qui s'annoncent. Alors, quand le confinement a été annoncé, on a eu deux grandes préoccupations. La première, c'était une préoccupation très concrète, c'est qu'une grande quantité de nos élèves travaillent pour se nourrir et pour subvenir à leurs besoins. Et la plupart d'eux vont travailler en noir ou dans des petits jobs étudiants. Et donc, pendant le confinement, ils ont perdu ces droits, leur boulot. Et donc, concrètement, ils n'avaient plus rien à manger. Donc, la première préoccupation, et c'était une initiative privée de certains enseignants de mon école, c'était de réunir des gens pour se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas récolter des fonds, récolter de la nourriture pour faire une distribution de nourriture. Et c'est très dommage que ce ne soit pas quelque chose qui était structuré par l'école, parce que du coup, ça a difficulté notre tâche, parce que le plus difficile était de savoir qui sont les élèves qui sont en difficulté, comment les joindre. C'est très délicat de les joindre de manière individuelle. Oui, bonjour, c'est ton professeur, je voudrais savoir si tu as assez à manger ou pas, tu peux me le dire, c'est toujours assez délicat. Et puis ensuite, on a fait des récoltes d'argent, on a fait des courses massives, on a fait des courses pour plus ou moins une trentaine de familles. Chaque semaine, encore, on fait encore ça jusqu'à la fin. Donc ça, c'est la première préoccupation d'une partie des enseignants, c'est de s'assurer que nos élèves puissent juste manger, leur famille puisse juste manger. Ensuite vient la deuxième préoccupation. Il faut continuer le lien pédagogique. On va tout faire, le fameux mot, l'enseignement à distance. Comment est-ce que nos élèves vont pouvoir avoir accès à cet enseignement à distance si ils ont à peine à manger, en tout cas une partie, hein, pas tous, mais en tout cas une partie sont très précarisés. Comment s'assurer que tout le monde ait un ordinateur, Internet? Alors, on s'est démené, on a fait plein de contacts pour essayer de trouver des ordinateurs, pour essayer de trouver des liens gratuits d'Internet avec différentes compagnies, etc., etc. Et puis finalement, plus internement, c'était la question de se dire, OK, et maintenant, comment assurer une continuité d'apprentissage dans ces conditions-là, où moi, je ne suis plus en contact avec mes élèves, je n'ai pas ce lien social, je ne peux pas leur demander comment ça va, je ne peux pas faire quelques blagues, je ne peux pas créer ce lien de confiance qui fait qu'on se nourrit mutuellement pour enseigner, et je me retrouve juste à être face à un ordinateur, donner des consignes, essayer de trouver des consignes qui fassent sens dans tout ceci, recevoir des devoirs et ne pas avoir ce lien de création. Et donc très rapidement, ça commence à créer des moments de frustration parce que je ne suis plus nourrie comme enseignante, je ne comprends plus qu'est-ce que je fais, et les élèves très rapidement perdent ce lien social et donc le sens de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre, encore plus pour des matières comme l'histoire ou les sciences sociales qui sont vraiment une question de lien. Et donc voilà, on s'est retrouvé à perdre de plus en plus, à avoir de plus en plus de distance avec nos élèves, et puis tout à coup tombe cette nouvelle du déconfinement qui va on était en train d'écouter les fameuses nouvelles de Wilmès qu'on a attendues pendant 5 heures, et puis on apprend que on va être dans des locaux de 50 mètres carrés et pas moins, qu'on ne pourra pas avoir plus de 10 élèves à la fois, donc ça veut dire qu'il va falloir faire des choix, des élèves qu'on va voir, des élèves qu'on ne va pas pouvoir voir. Qu'on va devoir porter un masque et donner cours pendant 8 heures avec un masque, ce qui est complètement aberrant, qu'on va devoir plus se préoccuper pour des mesures sanitaires, d'hygiène, que si quelqu'un éternue, que s'il doit aller aux toilettes, que les récrés sont divisés, sont intercalés, qu'il faut bien suivre le marquage du sol, qu'on ne peut pas traverser tel et tel espace carré. Et donc, comment imaginer une rentrée qui soit plutôt dans l'apprentissage, dans le reconfort après cette crise, dans de telles mesures. C'est extrêmement compliqué. Et donc, cette rentrée, pour moi, mais pour d'autres collègues enseignantes aussi, en fait, elle est anxiogène. Parce que de un, il faut continuer à avoir un lien avec nos élèves qui ne vont pas rentrer.
Ensuite, il faut assurer un lien avec les élèves qui vont rentrer, mais quel type de cours on va leur donner? Quelle matière privilégier? Parce qu'on ne va pas pouvoir tout donner. Comment choisir? Comment choisir quelles matières vont être données, quelles matières ne pas donner? Est-ce que c'est plus important qu'il y ait des cours de maths, des cours d'histoire ou des cours de technique, puisqu'ils vont se former pour devenir des garagistes, des sanitaires, etc., etc. Donc, ce qui est très, très difficile pour nous, c'est qu'à aucun moment, on nous a consultés. À aucun moment, on nous a dit est-ce que ces conditions de travail vont être faisables? Est-ce que ça va vraiment aider à diminuer les écarts d'inégalité entre les élèves qui se sont créés pendant ces 4 mois? Alors, je vais faire une petite parenthèse. Ce n'est pas pendant ces 4 mois que les inégalités se sont créées. C'est des inégalités qui se creusent depuis très, très, très longtemps. Et mon école est un exemple parfait, entre autres, de dire qu'on est un peu le réceptacle de plein d'inégalités où des jeunes issus de l'immigration ou qui viennent d'arriver vont se retrouver dans des filières de relégation parce qu'ils ne vont pas être intégrés dans les autres écoles. Et donc, face à ça, on n'a pas du tout les mêmes outils que d'autres écoles où les parents travaillent. Où déjà le lien entre école et parents se fait par le lien numérique, le journal de classe, les bulletins, etc. Nous, le tout se fait en contact. Et donc, on s'est retrouvés vraiment très, très fort séparés pendant ce confinement, quoi. Et tout ça me pousse à me demander, mais en fait, finalement, quel est le vrai but de ce déconfinement? Qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Est-ce que c'est vraiment pour diminuer l'écart numérique, les différences qui se sont mises en place, est-ce que c'est pour assurer qu'il y ait une continuité pédagogique? Moi, je ne le vois pas du tout. Et on m'a posé la question face à tout ça, de dire oui, mais alors, ce serait quoi une rentrée idéale qui prenne en compte vraiment l'école comme un espace de bien-être et d'évolution personnelle et pas simplement comme un espace qui va créer des petits travailleurs prêts à l'emploi? Eh bien voilà, j'ai fait une série de quelques points pour quelle serait ma rentrée idéale. Ben, je crois que la première chose, c'est que pour créer une relation de confiance, il faudrait un dépistage massif. Si on sait où sont les foyers d'infection, si on sait qui sont les personnes à risque, qui sont en danger ou qui ne le sont pas, c'est beaucoup plus simple pour nous aller et reprendre l'école de manière sécurisé, sans toutes ces mesures d'hygiène qui paraissent complètement démesurées, mais en fait, et pas du tout utiles par rapport à un dépistage. Qu'est-ce que c'est porter un masque pendant 8 heures d'affilée et se passer du gel toutes les minutes en main quand en fait, on ne sait pas qui est infecté et qui pourrait infecter les autres? Alors, une deuxième chose qui me paraît fondamentale, c'est que la rentrée, elle se fasse en coordination avec les enseignants. Qu'au lieu d'avoir une rentrée précipitée pour s'assurer de donner un diplôme aux élèves de 6e pour qu'ils puissent aller travailler bien vite, on puisse réfléchir entre enseignants, de dire, OK, comment est-ce qu'on va s'organiser pour l'année prochaine? Parce que ces 6 mois où les élèves de 4e, de 5e, de 3e n'ont pas eu de lien pédagogique, ils vont avoir toute une série de lacunes. Comment est-ce qu'on va faire pour les rassurer, pour avoir une continuité l'année prochaine? Et cette réflexion n'existe nulle part. Cette réflexion au sein des écoles, mais non plus en dehors, il n'y a pas d'espace pour professeurs parce que les professeurs, finalement, c'est des gens qui travaillent de manière individuelle. Et puis, pour terminer, il y a quelque chose qui me paraît très essentiel, ce serait de trouver un moyen de réfléchir, de faire des espaces collectifs de réflexion entre professeurs pour dire, OK, on est dans une crise très grave, pourquoi elle s'est produite et comment est-ce qu'on pourrait intégrer des changements nécessaires dans notre société, comment est-ce qu'on pourrait introduire ces changements nécessaires dans nos programmes, dans nos cours, dans notre manière de montrer le monde finalement à nos élèves. Et j'espère pouvoir créer des espaces qui permettent cet échange et qui permettent de sortir les professeurs d'un espèce de carcan très, très individualisé où il est complètement isolé et seul et perdu, vers une organisation plutôt collective et plus rationnelle pour faire face à la crise. Merci Maïté pour ton intervention. Rosetta, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, on m'entend? Ben voilà, donc moi je travaille dans la grande distribution. Comme vous le savez ou pas, dans la grande distribution, ce sont essentiellement des femmes qui travaillent et des femmes à temps partiel. Donc, ce qui n'est déjà pas évident en temps, dans une situation normale. Évidemment, cette crise n'a fait qu'accentuer les problèmes des femmes à temps partiel.
parce que, comme vous le savez ou pas, les écoles ont été fermées. De ce fait-là, elles ont été confrontées à une situation, surtout les femmes monoparentales, à comment faire garder les enfants dans une période où les écoles sont fermées. Et donc, en allant s'adresser en nous en tant que délégués syndicales, on n'avait pas beaucoup de réponses à leur fournir. Si ce n'est que de prendre des congés parentaux, de prendre un certificat médical. Enfin, mais oui, on était obligés dans ces solutions-là. Moi, personnellement, j'ai un message d'aller. On m'entend bien? Oui. Voilà, donc la situation est quand même assez complexe. Et encore une fois, on se rend compte que c'est les femmes qui en paient les frais. Il y a eu ce qu'on a appelé le congé parental Corona, qui fait que ça a permis d'avoir un petit supplément. Mais même avec ce petit supplément, ça ne répondait pas à la demande des travailleuses, puisque quand on travaille à temps partiel, c'est déjà pas évident. Et puis là, ce n'est pas les 170 euros ce supplément qui ont fait que ça allait s'arranger. En temps de cette période de crise, fait que les femmes seules, et je suis obligée de parler des femmes seules dans la grande distribution parce que malheureusement il y en a de plus en plus, et on se rend compte que la situation est tout à fait ingérable. Et j'ai été confrontée à des situations de mes collègues où je devais continuellement déjà consoler de la situation et puis trouver des solutions pratico-pratique par rapport aux enfants, par rapport à ne plus que pour qu'elles puissent faire garder leurs enfants. Quand elles vont trouver l'employeur pour lui demander c'est quoi les solutions, on leur dit tout simplement prends tes congés payés, voilà, ce sera déjà ça. Donc c'est pas une réponse acceptable, et on a dû monter au créneau plus d'une fois pour faire respecter certaines choses. Donc voilà, ça c'était déjà une situation pas facile à gérer. Quand je disais qu'il y a beaucoup, il faut savoir qu'il y a à peu près 70% de femmes qui travaillent à temps partiel dans la grande distribution, en tout cas dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Et encore une fois, ça a créé beaucoup de... Alors, j'ai pu me rendre compte à quel point on devait se battre encore plus pendant des périodes de crise. Qu'on était tout à fait inégal dans ces périodes-là encore plus. Et ça m'a boosté pour me dire que oui, quand tout ça se sera plus ou moins un peu atténué, il y a vraiment de gros combats syndicaux qui seront amenés ils seront amenés sur le terrain. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, je ne suis pas très longue. Je voulais rendre hommage à toutes ces femmes qui sont comme moi sur le terrain, parce que je me rends compte aussi à quel point elles sont courageuses, et pour l'avoir vécu plus d'une fois, et j'en suis émue d'en parler, je me suis rendu compte que c'est bien souvent les femmes qui remontaient le moral de certains de nos collègues hommes, pas pour les critiquer, certainement pas, mais en tout cas, c'était une situation qu'on vit pleinement, et je me faisais la réflexion et l'analyse en me disant, mais oui, je pense qu'en tant que femme, on subit, et on vit en tout cas des situations tellement compliquées tout le long d'une vie que même si personne n'a été préparé à ce Covid, en tout cas la résistance, elle est bien plus forte, et je la ressens bien plus profondément chez mes collègues féminines. C'est en tout cas un constat que j'ai pu faire, que d'autres ont pu faire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas comment je dois le prendre, je ne sais pas comment je dois le vivre, mais en tout cas, moi, ça m'a quelque part donné beaucoup de temps de réflexion. Et je pense beaucoup à ça en me disant, oui, ben, il faudra quand même en tirer des leçons. Et si je me rends compte que mes collègues féminines traitent le problème assez différemment et en tout cas avec d'autres armes que mes collègues hommes, ça veut quand même dire quelque chose. Voilà. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, Rosetta, pour ton intervention et pour ton hommage. Je fais juste un petit point technique pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions et vous pouvez aussi adresser vos questions plus précisément à certaines intervenantes. Donc, si vous avez envie d'interpeller Bintou, Rosetta ou Maïté sur leurs interventions, n'hésitez pas à déjà le faire. C'est à toi, Fanny. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je vais parler. Donc, je travaille dans un musée bruxellois et donc je vais parler du secteur culturel. Alors, évidemment, le secteur culturel, c'est un secteur extrêmement éclaté, extrêmement divers. Donc, il y a les musées, les centres culturels, les théâtres, les cinémas, l'art vivant, etc. Donc, il y a plein de réalités différentes. Donc, c'est difficile de parler de tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même des généralités dont on peut parler. Donc déjà, c'est un secteur qui souffre des coupes néolibérales depuis des années. Donc notamment, dès l'entrée de la NVA au pouvoir, il y a eu des coupes de 30% budgétaires dans les institutions culturelles fédérales, donc les musées fédéraux, la Monnaie, etc. Dernièrement, les coupes de Yann Yambon au niveau de la Flandre qui ont été extrêmement impopulaires, donc de 6% de toutes les institutions culturelles flamandes et puis de l'ordre de 80% pour tous les subsides liés donc pour les jeunes artistes. Donc c'était clairement une volonté idéologique de faire taire la contestation culturelle. Donc on voit que c'est déjà un secteur qui a subi des coupes, qui vit beaucoup sur il y a beaucoup de temps partiel contraint, il y a beaucoup d'intérim, d'indépendants complémentaires, de gens inscrits à la SMART, etc. Et donc ça, c'était la situation avant Covid, qui était déjà un petit peu précaire. Mais alors, donc le secteur culturel, il faut savoir que c'est l'un des secteurs qui a le plus perdu, même avant l'ORECA. Donc il y a 93% des revenus qui ont été perdus, puisque tout simplement, mais évidemment, le secteur culturel se base sur le contact avec le public, avec l'humain. Donc au niveau des musées, donc il faut savoir déjà que les musées, il y a plein de sortes différentes. Il y a des musées publics, privés, constitués en ASBL, plus ou moins subsidiés, plus ou moins reconnus. Depuis des années, il y a vraiment, on pousse les musées et donc les institutions culturelles à avoir une logique néolibérale de marketing, donc vraiment à se pousser sur le crowdfunding, le management, le mécénat, le sponsoring, etc. Mais du coup, ce qu'on constate avec la crise, c'est que c'est surtout ces institutions qui comptaient sur les financements privés ou l'autofinancement qui, là, sont en grave déficit. Donc je pense notamment à des musées comme le musée Horta ou de la bande dessinée qui s'autofinançaient avec les tickets donc de touristes étrangers et donc qui ont perdu tout. Et pour le moment, donc ces institutions, elles fonctionnent, donc elles comptent sur le fait d'économiser sur le salaire des travailleurs, puisqu'il y a pas mal d'ASBL qui, pour rester en équilibre, comptent sur le fait de continuer le chômage temporaire pour ne pas devoir payer les salariés. Là, c'est au niveau des institutions, mais évidemment, il y a tous les travailleurs et les travailleuses en dehors de ceux qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir un contrat. Il y a, par exemple, tous les indépendants. Donc, je pense notamment aux guides culturels auxquels dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est un secteur extrêmement féminisé, donc c'est déjà difficile à la base comme métier pour avoir un temps plein. Et là, pour le moment, les guides culturelles, vu qu'elles sont inscrites pour la plupart à la SMART, elles sont un peu un entre-deux parce qu'elles n'ont pas le droit passerelle, mais en même temps, elles ont toujours pas, elles savent toujours pas si elles ont droit au chômage. Et par exemple, les guides, je sais, des musées royaux n'ont aucune communication par rapport aux musées royaux. Donc, elles sont totalement sans revenus, sans rien depuis 2 mois. Alors, je pense que c'est un peu la même chose pour les artistes. Donc, il y a des artistes qui ont le statut d'artiste, mais à mon avis, ça doit être très précaire aussi au niveau du chômage dont ils ont droit. Et il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas ce statut parce que c'est très difficile de l'obtenir. Il y a les intérimaires aussi. Donc, il y a vraiment toute une série d'acteurs du secteur culturel et d'actrices du secteur culturel qui n'ont rien pour le moment.
Aussi, donc, pour les artistes et, par exemple, les ASBL d'éducation permanente ou qui fonctionnent par projet, le problème, c'est que pour le moment, ils doivent aussi présenter toute une série de contrats pour pouvoir avoir ce statut d'artiste et avoir ces reconnaissances. Et donc, pour le moment, ils ont un peu peur puisque tout est annulé jusqu'en 2021, surtout pour l'art vivant, les chanteuses, les concerts, etc. Ils ont peur que leur statut d'artiste aussi passe à la trappe. Il y a aussi toute une série de précarisations, notamment toutes les femmes. On pense, il y a eu comme cette idée romantique que les artistes pouvaient avoir le temps de créer dans leur petite chambre à elles, chez elles, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'artistes, par exemple, qui sont mères. Et donc, il y avait notamment Joy Slam qui parlait au collectif 8 mars et qui disait « Non, je n'ai pas le temps de créer parce que je dois m'occuper de ma fille à la maison ». Voilà, et je pense que c'est toute une série de réalités. Il y a aussi les artistes binationaux et binationales. Donc, on avait une interview à la gauche anticapitaliste d'une artiste dont c'était le cas et donc qui n'est pas du tout reconnue en Belgique. Et donc, voilà, il y a toute une série de réalités assez dramatiques où des gens se retrouvent du jour au lendemain sans chômage, sans aucune source de revenus. Alors, pour le moment, ce qui se profile comme réponse, il y a un appel à l'affiliation massive des artistes et des actrices et acteurs du secteur culturel, donc à leur fédération. Donc, il y a eu pas mal de vidéos qui ont tourné. Donc, l'idée vraiment de s'assembler, de créer des groupes pour s'organiser et dans l'espoir, en fait, de pouvoir être mieux représentés devant le gouvernement, parce que le gouvernement a complètement oublié, à part les musées. Donc les musées vont réouvrir avec beaucoup de restrictions le 18 mai, mais sinon tout ce qui est salle de spectacle, théâtre, etc., et artistes, en fait le gouvernement n'en a pas du tout parlé. Là je sais qu'il y a eu aujourd'hui un accord interministériel au niveau du secteur culturel, et ils vont en parler demain au Conseil de sécurité, mais ils ont dit qu'ils avaient eu un accord, mais il n'y a pas grand chose qui se profile, en tout cas ils n'ont pas publiquement parlé de l'accord du déconfinement. Il y a cette idée de vouloir se rassembler entre artistes. Et alors, il y a eu un manifeste, donc c'était Your Culture, Our Future, qui a été signé par 10 000 personnes et qui demande justement un chômage pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas le statut d'artiste, et une revalorisation du droit à passerelle, des choses comme ça. Mais il y a aussi l'idée, d'exonérer d'impôts toutes les institutions culturelles et de prolonger le chômage en temps partiel. Alors, je crois que ça va dans le bon mouvement, en tout cas pour l'idée de se rassembler, mais je pense que c'est quand même une mesure imparfaite, puisque c'est toujours l'idée de faire confiance au gouvernement et d'aller lui demander des choses, alors qu'on sait que c'est un gouvernement néolibéral qui n'en a rien à faire de la culture. Je pense qu'il faut se rassembler. On va créer des groupes de discussion et des réunions pour voir un peu ce qu'on peut proposer aussi en dehors de ça, parce qu'en plus, les fédérations d'artistes parfois ne recoupent pas certaines fonctions. Donc il y a certaines personnes du secteur qui se trouvent isolées puisqu'elles n'ont pas de fédération pour les représenter. Il faut aussi penser, j'ai l'impression, je vois beaucoup de choses passer pour le moment, donc l'idée d'exonérer d'impôts les ASBL ou de mettre tout le monde au chômage ou par exemple, j'ai vu que quelqu'un voulait créer un lobby du secteur culturel ou des gens qui font du coaching en reconversion, et j'ai l'impression qu'il y a toute une série de vision, un peu la nomenclature néolibérale qui imprègne un peu notre milieu. Donc c'est aussi poser la question de quel après-Covid on veut, en fait. Je me posais la question aussi parce que les tax shelters et des choses comme ça, c'est de nouveau faire payer le contribuable. Donc je pense qu'il faut aussi en discuter. Mais en tout cas, il y a un mouvement de rassemblement et de collectivisation, de penser ensemble l'après-Covid. Et ça, je pense que c'est positif. Voilà. Merci beaucoup, Fanny, pour ton intervention. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours partager autour de vous le live pour inviter vos contacts à le suivre avec nous en direct. Et Malika, c'est à toi.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis médecin. Je suis médecin dans un hôpital public bruxellois. Et je fais partie d'un mouvement qui s'appelle La Santé en Lutte. Et c'est quoi La Santé en Lutte? Ben, La Santé en Lutte, c'est un collectif, un mouvement qui existe depuis déjà plus ou moins un an. Donc il y a eu un premier aîné après que les infirmières de Bruckmann ont décidé de faire grève le 8 mars 2019. Donc le 8 mars 2019, c'était la première grève des femmes en Belgique. Et à ce moment-là, comme il y avait un préavis de grève, il y a des infirmières des urgences qui en avaient marre d'avoir peu d'effectifs, d'avoir peu de salaire, peu de reconnaissance, qui travaillaient comme des dingues, qui ont profité de cette journée pour faire une grève. Cette grève a allumé d'autres revendications et plusieurs autres hôpitaux se sont rendus compte que la situation était similaire un peu partout dans les institutions de soins. Et il y a eu peu à peu une organisation de soignants qui ont fait plusieurs grèves, et il y a eu une grosse grève le 3 juin avec plein de mouvements qui ont commencé à se rassembler pour dénoncer les coupes budgétaires. Donc, c'est un mouvement qui est né pas des syndicats, mais de cette volonté de pouvoir organiser et de, en tout cas, visibiliser la parole d'infirmières, mais pas seulement d'infirmières, parce qu'il faut dire que le personnel soignant en Belgique correspond à 5% plus ou moins de la population, 4,5% de la population. Donc, on est médecin, infirmière, sage-femme, brancardière, aide-soignante, médecin, personnel de lingerie, restauration, ambulancière. Et donc, vraiment, toutes ces personnes qui travaillent dans des institutions de soins, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et l'idée dans La Santé en Lutte, c'était de rassembler pas seulement des gens des hôpitaux et montrer les conditions des soignants dans les hôpitaux, sinon aussi de toutes les institutions de soins. Et aussi de rassembler toute une partie de personnes qui sont syndiquées, donc on est plusieurs à être syndiqués, mais aussi personnes qui ne sont pas syndiquées. Et donc, pourquoi est-ce que ce mouvement se bouge depuis le début? C'est surtout pour dénoncer la grosse crise qu'il y a dans le secteur des soins, et qui est une crise qui fait déjà plusieurs années qu'elle existe, avec des coupes budgétaires de millions qui se sont faites dans les dernières années. Donc on ne parle pas même de 1 000, sinon on parle de plusieurs millions d'euros qui se sont faits les dernières années. Et cette crise de santé a été effectivement accentuée avec cette épidémie du coronavirus, pour laquelle le système de santé, qui était déjà à bout, avec des soignants, avec des infirmiers qui étaient en sous-effectif ou du personnel qui était en sous-effectif, non reconnu, et un secteur déjà de plus en plus privatisé et de plus en plus en crise, mais cette crise du coronavirus est venue vraiment éclater tout ça. Il y a eu plusieurs affaires très, très, très importantes. Il y a eu l'affaire des masques. Je crois que mondialement, la Belgique sera reconnue pour ces ridicules management des masques au niveau international, avec vraiment une grosse crise des masques, mais qui a entraîné de devoir travailler parfois avec des masques au début de la crise qui étaient faites de filtres de café, de masques qui n'ont parfois du personnel soignant dans d'autres, pas dans mon hôpital, mais je sais que dans d'autres hôpitaux, il y a du personnel de nettoyage qui a dû faire grève pour pouvoir avoir des masques parce qu'on ne voulait pas leur donner des masques. Il y a quelques services beaucoup de maisons de repos où des masques ont été interdits au début de la crise en disant qu'ils n'étaient pas nécessaires. Et donc, on a vu ce que ça a entraîné. Ça a entraîné qu'il y ait plein de personnel soignant qui soit contaminé et qui a été malade et qui contamine aussi les patients. Donc voilà, il y a le problème des masques, pour lequel vraiment nous autres on demande qu'il y ait une réquisition au niveau national, il y ait un plan national pour la fabrication, pour la distribution
de masques à toute la population et qu'il y en ait en suffisance pour tout ce qui nous reste encore à travailler avec le coronavirus. Il y a un autre problème, c'était la mauvaise organisation. Donc, il y a plusieurs hôpitaux qui, selon leur expérience, sont plutôt bien organisés. Moi, je travaille dans un hôpital qui a l'habitude de maladies infectieuses et qui est plutôt bien organisé, mais pas dépisté. Donc, on a plein de formations de comment est-ce qu'on doit utiliser le matériel. On arrive avec les dons et autres de la population à bien utiliser et avoir plus ou moins le matériel correct, mais on va tous les jours avec la boule au ventre au travail parce qu'on ne sait pas si on est malade, si on n'est pas malade, si on va le contaminer avec nos patients. J'ai une anecdote d'une chef, donc la chef infirmière des urgences pédiatriques. Elle a dû aller à 4 reprises aux urgences pour dire qu'elle n'avait pas de la fièvre, mais qu'elle travaillait dans un service d'urgence et qu'elle voulait être dépistée. Elle a été dépistée lorsqu'elle rentrait aux soins intensifs. Donc, elle est rentrée aux soins intensifs et c'est seulement à ce moment-là, après 4 visites et multiples arguments, et elle n'a pas réussi à se faire dépister. Donc, même des personnes qui travaillent en contact quotidien ne sont pas dépistées, les personnes qui travaillent en maison de repos. Et donc, vraiment, une des choses terribles, c'est pouvoir aller travailler tous les jours et avoir peur pour nos familles, avoir peur pour nous-mêmes, mais avoir peur aussi de le contaminer aux autres patients. Et ça fait que ben, il y ait de plus en plus de morts. Cette situation a été surtout très, très difficile en maison de repos, où le dépistage est vraiment revenu très, très, très tard, et où il y a eu beaucoup de personnel soignant qui a été malade. Mais alors, combien? On n'en sait pas, parce que le gouvernement a décidé de ne pas faire le comptage de quel personnel soignant était malade, quels sont les soignants qui étaient à risque. Il n'y a même pas de comptage de combien de morts des personnels soignants il y a. Nous autres, avec la santé en lutte, on essaye de voir un peu combien il y a de personnels soignants, mais on ne sait pas, au jour d'aujourd'hui, en Belgique, combien de médecins, infirmières, et de soignantes et autres sont mortes à cause du coronavirus. Mais tout ça a fait que nos congés ont été annulés, le personnel est épuisé, et juste quand on commence tout doucement à diminuer les cas de coronavirus, le gouvernement se passe des experts, se passe de toutes les commissions scientifiques et décide de lancer une deuxième vague. Avec tout ce qui entraîne. Et au lieu de dire, OK, on prépare une deuxième vague, on va parler avec les soignants, non, on ne va pas parler avec les soignants. Et donc, le gouvernement Wilmès décide de sortir une nouvelle loi pour réquisitionner le personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les heures de repos, par exemple, moi, ce soir, je ne suis pas censée travailler, eh bien, la police peut venir chez moi et peut me dire, maintenant, aujourd'hui, il y a une urgence, on a plus de patients que de prévu et tu dois aller à l'hôpital. Il y a une personne qui, par exemple, rend un certificat médical, eh bien, c'est le chef de service et ça peut te juridiariser, te dire, ton certificat médical ne sert pas et donc tu dois quand même aller travailler, tu es obligé de travailler. Et donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà en France, mais qui est extrêmement grave comme mesure, pour laquelle on est vraiment très en colère. Et l'autre décret royal de cette semaine-ci, c'est que n'importe quel personnel de santé, même s'il n'est pas infirmier, et même s'il n'est pas personnel de santé, c'est-à-dire des volontaires, pourrait faire des actes techniques. C'est-à-dire, c'est vraiment déprécier tout le travail que les infirmiers font, infirmiers et infirmières font, et de dire que n'importe qui peut soigner, que n'importe qui peut laver correctement, que n'importe qui peut faire une piqûre, et que c'est comme ça qu'on va combattre la prochaine vague. Et donc, voilà, c'est pour toute cette raison-là qu'on s'organise, qu'on essaye de visibiliser un peu
tous ces manquements du gouvernement et qu'on appelle à nous rejoindre, à se solidariser avec nous et aussi, mais dès qu'on peut, de dire qu'on ira dans la rue. Donc, on prévoyait déjà une manifestation avant le coronavirus pour montrer toute la crise de secteur de la santé. Mais maintenant, on prévoit plutôt vers le 13 septembre, en sachant que c'est une date fictice et qu'on ne sait pas encore comment sera à ce moment-là. Le secteur de la santé est un secteur qui est très féminisé. En Belgique, il y a de toute la population d'infirmières, d'infirmiers et infirmières, 86% sont des femmes. De toute la population des aides-soignantes, 90% sont des femmes. 90% des aides-soignantes sont des femmes. Et c'est le travail les plus flexibles où on décide de faire des gardes de nuit, de changer les horaires d'une semaine à l'autre, de ne pas savoir si on va pouvoir garder nos enfants ou pas garder nos enfants. D'ailleurs, personne ne s'en préoccupe. Et aussi, bien sûr, des travaux flexibles qui sont mal payés et qui amènent à des pensions après assez précaires. Voilà, c'est un petit peu les revendications qu'on a, c'est de nous rejoindre, de solidariser toutes les, de faire une vraie intersectionnalité des luttes pour pouvoir vraiment changer ce système et le système qui fait que chaque fois ces crises ne peuvent pas se prendre en charge correctement et mais surtout pour des services publics et une santé publique qui soit correcte et de qualité. Merci beaucoup Malika pour ton intervention. Alors moi je vais prendre la parole et après il y aura de la place pour les questions et le retour des intervenantes. Moi je prends la parole pour mettre six éléments en évidence qu'on pense stratégiques nous au sein de la gauche anticapitaliste pour comprendre et agir sur la situation par rapport au travail des femmes. Premier point, la base, mettre fin au racisme d'État. Mettre fin au racisme d'État, ça passe par quoi? Ça passe par la régularisation de toutes les personnes sans papier, immédiates et sans condition, ainsi que de toutes les personnes en procédure de demande d'asile. Hein, il faut savoir qu'on a une image. Pardon, il faut savoir que presque 50% des personnes sans papier migrantes sont des femmes, en tout cas dans les migrations récentes. Il y a quelques jours, il n'y a pas moins de quelques jours, l'État belge a essayé de renflouer une adolescente syrienne en dehors des frontières de l'État belge en pleine crise du coronavirus, une adolescente de 16 ans. Ce sont des situations dramatiques et la question de la régularisation des sans-papiers, ce n'est pas juste l'affaire des sans-papiers elles-mêmes et des militants qui soutiennent la cause des personnes sans-papiers, c'est l'affaire de tous les Belges de Belgique, c'est toute la population belge qui doit avoir cette revendication au bout des lèvres. Simplement parce que c'est une revendication humaine, c'est la base, mais aussi parce que, comme on l'a déjà bien vu et comme Mitou l'a dit, le travail des personnes sans papier, la précarisation des personnes sans papier, la pauvreté dans laquelle les personnes sans papier sont obligées, sont maintenues, c'est un laboratoire pour faire la pression sur tous les travailleurs et toutes les travailleuses dans le pays aussi. Et donc, nos luttes, elles doivent être communes. Et par contre, il faut pouvoir rejoindre les revendications des sans-papiers elles-mêmes et donc soutenir leur auto-organisation. Et donc agir en tant que soutien. Mettre fin au racisme d'État, ça passe aussi par le fait de mettre fin à l'oppression policière dans les quartiers populaires. La phase visible de l'oppression policière dans les quartiers populaires, c'est la phase visible et dramatique, c'est le décès de jeunes, on en a encore eu récemment avec Mehdi et Adil, de jeunes dans les quartiers populaires, suite à des poursuites policières, des interventions policières. Mais la phase cachée de cette oppression policière, c'est aussi des familles et des communautés entières qui doivent assurer leur autodéfense. Et donc, dans ces familles, ces communautés entières, on sait le rôle que jouent les sœurs, les mères et les femmes
plus généralement. Donc, on parle énormément de la question de la charge mentale ou du travail émotionnel ou de la charge émotionnelle. Mais c'est aussi parler de ça, c'est aussi parler du travail que des femmes dans les quartiers populaires face à l'oppression policière. Un deuxième point important, plus de lutter contre les racines d'État, c'est de définir de façon démocratique, féministe et écosocialiste les secteurs essentiels dans cette société. Parce que là, en ce moment, on a tout un discours donc, sur qu'est-ce que sont les activités essentielles, qu'est-ce que ne sont pas les activités essentielles. Ce discours, il est uniquement orienté entre un bras de fer entre la société, entre la santé et l'économie. Alors déjà, comment ça se fait que ce bras de fer existe? Comment ça se fait que l'économie est un frein à la santé? Comment ça se fait? Donc, c'est déjà un énorme problème, une aberration totale. C'est compréhensible dans le fonctionnement du système capitaliste. Ça ne veut pas dire pour ça que c'est tolérable. Mais donc, juste pour dire que là, cette question, venons-en vraiment à la vraie question, c'est quoi les activités essentielles, non pas, bien sûr, pour la santé, mais aussi de façon générale pour la vie. Et donc, posons bien cette question des activités essentielles dans la société en général. Ça veut dire pas essentiel à l'accumulation du capital, pas essentiel au profit. Pour l'instant, c'est sur base de ça que la société fonctionne. Mais parlons des activités essentielles à la vie et pas à la survie, à la vie, à une bonne vie. Et donc, définissons collectivement c'est quoi ces activités qui doivent être la priorité, enfin qui doivent définir la façon dont l'économie et l'organisation sociale sont organisées dans cette société. Et donc, on parle bien sûr de la culture, de l'enseignement et de tout ça dans les limites définies des ressources, du climat, bien sûr avec une perspective écologique. Prenant en considération les limites possibles de la nature, bien sûr, en relation directe avec la nature. Troisième point, il faut lutter absolument contre la marchandisation des biens communs. Tout dans ce monde est devenu une marchandise. Le logement, le transport, l'enseignement, la culture, la santé, le soin, l'alimentation, tout ça, ça doit sortir absolument du marché. Pourquoi c'est essentiel ce que je dis et quel est le lien avec le travail? Le travail des femmes, parce que c'est justement une marchandisation de tous les biens communs qui font que soit on passe toute sa vie à travailler, soit on passe toute sa vie à chercher un travail. Mais en gros, la plupart des gens, ils n'ont que ces deux possibilités. Et donc, nous, on veut passer notre vie à faire autre chose que ça, à chercher du travail. Pourquoi? Pour avoir accès à des choses les plus basiques des droits, c'est-à-dire un logement, de la nourriture, de la santé, l'enseignement. C'est inacceptable. Donc, troisième point. Quatrième point, faire du travail domestique ou du travail au foyer, comme on dit, une affaire publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, face à la marchandisation et face au dysfonctionnement systémique lié au système capitaliste, qui va colmater ces insuffisances, qui va colmater les problèmes structurels, etc. C'est des individus qui colmatent les choses et c'est des individus qui le font dans la sphère privée et en particulier les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, face à un désinvestissement clair, donc tout ce qui concerne on a parlé de la santé, mais je veux attirer l'accent sur les soins psychiques en particulier. Le nombre de femmes qui se retrouvent actuellement à devoir s'occuper de leurs enfants ou à des proches qui ont des besoins spécifiques, qui ont des souffrances psychiques, qui ont besoin d'une assistance de vie, aux personnes âgées, etc. Le nombre de femmes âgées elles-mêmes qui aident d'autres personnes dépendantes. Donc, non seulement cette situation dans laquelle des femmes dans leur lieu de vie, dans leur foyer, de façon individuelle, doivent prendre tout ça en charge, c'est pas normal. Mais par ailleurs, toutes ces personnes qui ont besoin de soins particuliers, d'aide particulière, sont mises dans des situations d'extrême dépendance. Elles sont mises dans ces situations d'extrême dépendance parce que leur permettre un minimum d'autonomie, c'est le cadet, mais le cadet des soucis, bien sûr, du capital. Je ne ferai que revenir un peu sur ce que Rosetta mentionnait sur la question du congé parental. Ce truc du congé parental, c'est une insulte pour toutes les travailleuses femmes. C'est vraiment quelque chose avec des conditions d'accès auxquelles la plupart des travailleuses qui n'ont pas accès à un emploi, soit ont un temps partiel
qui ne leur permet pas d'avoir accès à ce congé parental. C'est hallucinant. Si, moi, j'ai regardé sur la page de la FGTB qui publiait le post de ce congé parental. Si on regarde tous les commentaires, c'est que des travailleuses du titre service qui commentent en disant « mais moi, je ne vais jamais y avoir accès à ce congé parental, alors que j'en ai ultra besoin ». Donc les travailleuses du titre service, des travailleuses qui nettoient dans les entreprises, mais essentiellement, mais aussi dans les privés chez les gens. Cinquième point, il faut du repos pour les corps et les esprits qui sont lessivés. La vraie question, c'est qui prend soin des personnes qui prennent soin ? Parce que là, on parle des femmes, etc. Qui prend soin des personnes qui prennent soin ? Et je pense que ça fait aussi le lien avec ce que Rosetta disait, de prendre soin de ses collègues travailleurs, d'avoir une endurance. Qui prend soin des personnes qui prennent soin ? Les nettoyeuses, les infirmières, les soignantes, les personnes sans papier, elles sont utilisées dans cette société jusqu'à ce qu'elles craquent. Elles sont utilisées comme des objets jetables. C'est absolument, de nouveau, je me répète, inadmissible. Et donc ça, c'est les points de revendication, les points d'attention, les points stratégiques d'action majeurs. Mais donc, comment est-ce qu'on fait pour y arriver ? Parce que c'est aussi ça la vraie question. Là, on est dans une situation de pandémie. Déjà que ce n'était pas facile de s'organiser ensemble. Mais en plus, dans cette situation-ci, on est encore plus facilement criminalisable si on s'organise, et aussi on peut pas s'organiser n'importe comment, on doit aussi s'emparer de la question sanitaire et réfléchir à partir de là. Et donc moi je vois plusieurs choses. Donc il y a d'abord toute une partie d'action qui permet de nous rendre visibles, en fait. Donc se rendre visible, c'est refuser, c'est continuer à embêter ce système, c'est continuer en permanence à embêter ce système par le simple fait d'exister et de parler. Hein, et donc c'est refuser de normaliser des situations anormales. Et comment on fait ça? On l'a vu avec des actions en ligne. On peut être inventif, il y a plein d'actions sur les réseaux sociaux, etc., de communication. Je pense notamment à tout ce qui est fait avec la coordination des sans-papiers, avec les photos de personnes qui demandent la régularisation des sans-papiers. C'est investir la toile de plein de messages radicaux et de revendications comme ça. C'est faire des rassemblements express avec des attentions sanitaires, comme ce qui a pu être fait aussi devant la Tour des Finances pour réclamer la régularisation des sans-papiers, ce qui peut être fait par ailleurs. J'ai quand même envie de mentionner deux petites choses, c'est les rassemblements en voiture. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais en Pologne, par rapport à la restriction ultime, enfin la tentative de restriction ultime du droit à l'avortement, plusieurs Polonaises sont aussi sorties dans les rues en voiture, en bloquant des ronds-points en voiture pour continuer à faire du bruit. J'ai appris que quelque chose dans le même sens était organisé dans le Connecticut aux États-Unis par des travailleuses domestiques qui ont aussi investi à des ronds-points et des lieux stratégiques pour bloquer la mobilisation. On comprend bien que ce genre d'action, ça demande une grande organisation, et donc c'est d'où la nécessité encore plus dans ce moment actuel de s'organiser, de parler entre nous et d'organiser des actions. Donc se visibiliser, c'est toute forme de désobéissance civile de façon générale. Une autre façon d'agir, c'est aussi la solidarité, mais la solidarité concrète. Donc la seule façon de pouvoir continuer à se mobiliser, sans être asphyxié, il faut pouvoir compter sur de la solidarité, pas une solidarité qui pallie au dysfonctionnement d'État, une solidarité qui sert justement pour qu'on puisse avoir les moyens d'agir collectivement. Grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire la révolution le ventre vide. Et donc, il faut qu'on remplisse nos ventres mutuellement et qu'on continue de remplir nos ventres mutuellement, entre autres. Le troisième chose, et une chose pas la plus importante mais très importante sans laquelle on n'arrive à rien, c'est l'auto-organisation des travailleuses avec ou sans papier, avec ou sans emploi. Les travailleurs et les travailleuses doivent pouvoir décider ensemble et collectivement de ce qu'elles ont besoin et de comment l'obtenir sans se soumettre à l'agenda d'un gouvernement ou à l'agenda de parti et même parfois à l'agenda de bureaucratie syndicale. Donc, il faut s'organiser à la base, il faut s'organiser dans les syndicats à la base, il faut faire bouger les choses à la base, dans les syndicats, dans des comités
en dehors des syndicats aussi. On peut penser à la constitution de comités de chômeurs et de chômeuses, de comités de mamans solo, de comités à l'échelle de quartier, de comités de personnes sans papier, de comités comme la Ligue des travailleuses domestiques, de comités aussi de personnes malades. Et peut-être que les personnes malades elles pourraient tout à fait trouver leur place dans, ou prendre leur place dans le mouvement de la santé en lutte aussi. C'est quoi ce truc d'auto-organisation? C'est de dire, en fait, cette société et ce qui est essentiel à la vie et à la survie dans cette société, ça tourne grâce à qui, pardon? Ça tourne grâce à nous. Ça pourrait très bien tourner sans aucun patron. Voilà. Ça tourne grâce à nous. Et donc, si ça tourne grâce à nous, c'est précisément là que se trouve notre pouvoir. Parce que si on s'arrête, comme le dit le fameux slogan féministe, le monde s'arrête. Si les femmes s'arrêtent de travailler, le monde s'arrête de travailler. Et donc, c'est là que se trouvent aussi nos leviers d'action. Et on voit déjà qu'il y a toute une série de travailleurs et de travailleuses qui activent ces leviers, hein, donc qui font des refus de travail, qui refusent d'aller au travail si les conditions ne sont pas remplies. On l'a vu dans les maisons de repos, on l'a vu dans les hôpitaux, on l'a vu récemment à la STIB, des travailleurs aussi qui font mettre pression pour la reconversion des entreprises, hein, dans le textile et dans le métal. Et donc, je répète, il faut une solidarité à travers les luttes. Il faut que dans nos luttes, on puisse s'emparer des revendications mutuelles de chacune. Et je terminerai par dire... par une formule que j'aime particulièrement, c'est s'armer d'une lente impatience. C'est une formule de Daniel Ben Saïd. Cette lente impatience, ça veut dire quoi? Ça veut dire lente, pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on doit fonctionner sur le long terme, on doit tenir sur la durée. Hein, et donc, ça me fait penser, par exemple, à tout le processus qui a été entamé avec les grèves féministes, notamment autour du collectif 8 mars, un collectif autonome et autogéré qui organisait des grèves. Ces grèves, elles sont essentielles pour faire vivre le mouvement et le faire vivre de façon radicale. Et donc, on invite à soutenir et investir l'organisation des grèves et le collectif 8 mars. Mais pourquoi une impatience aussi? Pourquoi une lente? Mais impatience, parce qu'il faut cultiver, il faut vraiment cultiver notre impatience au quotidien pour maintenir une forme de... pour maintenir une radicalité et pour maintenir une combativité. Voilà, merci, ça c'était pour mon intervention. Et donc maintenant, on va tout de suite passer aux questions-réponses. Alors, ce qui me demande de switcher et de passer de mode et de regarder un peu ce qu'on a reçu comme question. Alors, une première question pour Bintou. Au vu de l'inactivité et du choix gouvernemental d'ignorer la question des sans-papiers pendant cette crise du Covid-19, comment peut-on se mobiliser solidairement pour venir en aide? Est-ce que malgré la crise sanitaire, des aides continuent d'être actives pour les populations les plus populaires et minoritaires? Est-ce qu'il continue d'y avoir des aides pour le moment, Bintou? Et comment est-ce qu'on peut être solidaire dans cette situation? Si on peut réactiver le micro. Oui, alors, la question, c'était quoi, s'il te plaît, Roxane? Pardon, je répète. Donc, une question qui dit, ben voilà, on voit que le gouvernement a ignoré les revendications des sans-papiers pendant la crise, là, pour le moment, en tout cas jusque maintenant. Alors, comment est-ce qu'on peut se mobiliser de façon solidaire? Quelle solidarité? Comment est-ce qu'on peut être solidaire? Et est-ce qu'il y a quand même des aides pour le moment qui continuent d'exister? Est-ce que vous recevez de l'aide? Oui, bien sûr, nous recevons de beaucoup de soutien en ce moment. Il y a quand même beaucoup de soutien, beaucoup d'associations qui se sont levées pour soutenir les sans-papiers parce que, comme je l'ai dit dans mon discours, nous sommes au bout de la chaîne de la pauvreté. Donc, il y a beaucoup de solidarité qu'il y a autour de nous. On nous envoie des colis alimentaires, des soutiens nous envoient des colis alimentaires, ils nous envoient des produits sanitaires, mais le soutien que nous avons de plus, c'est
de nous soutenir dans la lutte de la régularisation. Nous avons besoin de soutien pour que nous rentrons dans les droits qui sont la régularisation. Là, nous avons besoin de ce soutien-là. Il y a beaucoup d'associations qui nous viennent en aide, qui nous envoient des colis alimentaires. Mais la solidarité que nous voulons, c'est que tout le monde soit autour du même combat, parce que même à la coordination, nous avons créé un observatoire de la crise, un observatoire de l'étude sociale de la crise, parce qu'on parle de beaucoup de morts, mais on donne seulement des chiffres sur le sexe et sur l'âge, mais on ne donne pas on ne visibilise pas les classes sociales des morts. Quand on sait qu'à New York, par exemple, ou à Londres, beaucoup de morts de COVID-19 venaient des quartiers pauvres. Donc, on a besoin de savoir des chiffres exacts des personnes qui sont vulnérables, qui ont été touchées par cette crise. Donc, hier, le bureau d'études a mis en ligne une étude de 15 pages qui prend en compte toutes les classes sociales. En Belgique, toutes les classes fragilisées qui sont ignorées par le gouvernement et par les experts, qui ne sont pas spécifiquement des sans-papiers, mais nous avons pensé que nous sommes tous dans la même situation, avec ou sans papier, on est tous fragilisés. Alors, on a donné des actions, on a fait des études par rapport à ça et nous avons produit 15 pages. Parce que comme tu viens de l'expliquer, Roxane, nous avons besoin de mettre nos efforts ensemble pour que les revendications de tous les secteurs soient prises en compte. Donc, on a besoin du soutien de tout un chacun. Merci. Merci, Bintou, pour ta réponse. Une autre question, alors, d'Alexia pour Maïté. Quelle stratégie adoptez-vous pour davantage ouvrir les métiers enseignés dans votre école aux femmes? Est-ce que la direction vous encourage ou met-elle elle-même des choses en place vis-à-vis de cela? Oui, très bonne question, Alexia. Alors, c'est très complexe parce que c'est une question structurelle, hein, notre société. Détermine qu'il y a des métiers pour femmes et des métiers pour hommes, et c'est très très fort ancré dans le système scolaire. Dans mon école, alors à la base, c'est pas une priorité pour la direction parce qu'on a plein d'autres priorités très complexes. Donc malheureusement, c'est pas quelque chose que la direction peut mettre en avant. Ça reste une priorité pour toute une série d'enseignants et d'enseignantes, surtout d'enseignantes. Pour essayer d'encourager, alors on a eu le cas d'avoir une élève dans la section garage. Dans toute l'histoire de notre école, on a eu une élève dans la section garage. Et donc, effectivement, certaines enseignantes, on a pris le pied de tout faire pour protéger cette élève, pour la soutenir, pour lui donner un maximum de soutien scolaire, mais en dehors aussi de sa scolarité, pour l'aider jusqu'au bout. Et on a réussi à la faire, à la diplômer, mais c'est un cas extrêmement rare et unique. Nous avons en place, j'anime un espace de parole féminine à l'école, c'est-à-dire que les élèves femmes qui sont dans l'école ont un espace où on anime régulièrement, une fois par mois, un espace non mixte où on peut parler, discuter, se dire ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, ce qui est OK ou pas dans la société. Et clairement, c'est un besoin absolu. Alors, ce n'est pas simplement pour les métiers masculinisés, entre guillemets. Et puis, on essaye peu à peu, à travers des portes ouvertes, à travers des flyers, d'attirer plus de femmes dans ces sections-là. Mais c'est très, très compliqué parce que socialement, ça se passe pas comme ça. Encore moins dans les quartiers populaires qui sont très traditionnels et où le machisme est encore plus fort que dans... se sent encore plus fort dans le reste de la société. Et donc, ce n'est vraiment pas facile de s'ouvrir, d'ouvrir les femmes aux sections. Et puis, par ailleurs, en classe, constamment, nous devons
convaincre nos élèves de déconstruire des stéréotypes qu'ils ont très très fortement marqués, et pas simplement les élèves, aussi souvent les enseignants masculins qui ont énormément de stéréotypes, et donc à l'intérieur de nos cours, nous essayons de déconstruire ces stéréotypes. Un message pour Lina Massa, pardon, un message de Lina Massa pour Bintou, qui dit force et courage, Bintou Touré. Apparemment, il y a plusieurs messages de soutien à la régularisation en commentaire du live. Mais voilà, donc comme l'a dit Bintou, et on réinsiste, la question de la régularisation doit faire l'objet de nos luttes dans tous nos espaces respectifs et sur nos lieux de travail également. Alors, une autre question, une question de Mariam pour Malika. Suite aux décisions gouvernementales de déconfinement préméditées et à l'encontre de l'avis de médecins, quels conseils est-ce que vous donneriez aux personnes ? Reporter le déconfinement, point d'interrogation. Le fait que de nombreuses personnes sortent et se rassemblent, n'est-ce pas un manque de respect pour le personnel soignant qui est déjà épuisé ? C'est difficile à reporter cette question parce qu'effectivement, le gouvernement a décidé délibérément, même contre l'avis de plusieurs experts scientifiques et même de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, de faire le déconfinement. Mais je pense que ce qui est très important de dire, c'est que déjà, faire le confinement sans autre mesure de santé, ce n'est pas une mesure de santé publique. Donc le confinement, qui est exclusivement le confinement, sans savoir qui est malade, qui n'est pas malade, et de ne pas tester massivement la première ligne, les personnes qui sont fragilisées, les personnes qui sont à risque, c'est-à-dire seulement comme mesure, ne va pas faire arrêter le coronavirus. Mais la deuxième chose qui est importante de savoir, c'est que si bien les experts ne considéraient pas le déconfinement, c'est un mécanisme que le gouvernement a pour nous dire « Ah, regardez, il y a des méchantes personnes qui sortent et qui délibérément sortent pour cacher les manques qu'a l'État. » En fait, l'idée n'est pas de responsabiliser individuellement les gens en leur disant « C'est la faute des individus qu'il y a une deuxième vague. » C'est la faute de l'État, c'est la faute des ministres qui font une santé publique de merde et qui ne font pas de vraies mesures de protection, de vraies mesures de dépistage et de vraies mesures de santé publique à la population. Donc je pense que juste responsabiliser les personnes en disant vous ne devrez pas sortir, c'est votre responsabilité individuelle, n'est pas correct. La plupart des gens sortent parce qu'ils ont besoin de sortir, parce qu'on leur dit qu'il faut aller travailler, parce qu'ils doivent aller gagner leur pain. La plupart des gens qui d'ailleurs sont affectés par le coronavirus, comme le disait Pinto, savoir avec une histoire de classe sociale, la plupart des gens qui sont affectés sont des personnes qui sont pauvres, qui sont dans les quartiers populaires, qui sont obligées d'aller travailler, qui sont ou en première ligne, ou précarisées, ou fragilisées. Donc, ce qu'il faut, c'est que tout le monde, on demande le dépistage. Je pense à quelque chose de très important dans l'enseignement. Mais une des revendications pour les prochains enseignants, c'est de dire qu'il y a des enseignants qui ont une maladie chronique, comme 1 sur 3 en Belgique, parce qu'une personne sur 3 en Belgique a une maladie chronique. Donc, les personnes qui ont des maladies chroniques qui sont les plus fragilisées, il faut les dépister. Il faut que ça soit une demande pour toutes les personnes. Il faut dépister en masse les personnes qui sont sans papier. Il faut dépister en masse les personnes qui sont plus fragilisées. Ça, je pense que c'est vraiment une mesure. Et j'en profite pour répondre aussi à une question qui était un peu de comment s'organiser. Je pense que c'est très important de bien sûr solidariser toutes les luttes, de s'informer de ce qui se passe, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais c'est très important aussi de se syndiquer. Donc je pense que le message aussi doit passer que si vous vous êtes pas syndiqué,
c'est quelque chose de très important parce que ça sera un outil de plus qu'on pourra utiliser pour lutter, pour être après dans la rue et dans la résistance pour la suite. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci beaucoup Malika. Alors une question d'Alba pour les intervenantes qui veulent, donc chacune d'entre adressée à chacune d'entre vous. Comment faire en sorte que ces luttes très importantes des femmes se fédèrent? Donc j'imagine qu'il s'agit des luttes dans les différents secteurs, mais aussi les luttes des femmes sans papier, les luttes des femmes travailleuses avec papier, enfin voilà. Si vous voulez réagir sur les possibilités de convergence. Maïté, tu veux répondre? Il n'y a pas une seule réponse, évidemment. Je pense que chaque secteur a des spécificités dans sa manière de s'organiser, mais c'est absolument vrai qu'idéalement, il faudrait avoir un espace de visualisation de ces luttes et de collectivisation de ces luttes. Une des idées qui me vient à l'esprit, c'est de s'organiser dans des collectifs, comme les collectifs qui existent déjà, d'ailleurs, pour les grèves du 8 mars, mais qui peuvent s'organiser à d'autres moments que le 8 mars, puisque cette lutte, c'est une lutte annuelle et constante. Et ça, c'est une des premières idées que je proposerais, c'est trouver des espaces comme les grèves des femmes, pas seulement le 8 mars, mais à d'autres moments aussi. Merci. Bintou, tu voulais réagir aussi? Oui, mais bon, à force de... Je risque de me répéter, mais nous, les femmes sans papier, nous sommes à la disposition de toutes les organisations. Comme je l'ai souligné dans ma première intervention, j'ai dit que nous voulons une solidarité au niveau de toutes les femmes, au niveau de tous les secteurs, autour de toutes les luttes, parce que qu'on soit sans papier ou avec papier, chacun peut apporter quelque chose l'une à l'autre. Donc, nous, la solidarité, c'est une question de priorité dans notre lutte. On est solidaire à toutes les luttes. Il y a certaines marches que les femmes organisent. Nous, on s'invite dedans, on fait la marche pour eux. Donc, cette solidarité-là, nous la réclamons depuis toujours et nous nous battons pour cette solidarité-là depuis toujours. C'est ce que je voulais souligner. Merci Bintou. Est-ce que Fanny, Malika, Rosetta, l'une d'entre vous veut réagir? Pas particulièrement. Vas-y Malika. Mais donc... Je m'étais un petit peu avancée et j'appuie tout à fait la motion de que Maïté disait sur utiliser la grève. Et la grève, ça peut être, mais donc on l'a vu avec les grèves féministes, les grèves, ça peut être vraiment fait de plusieurs manières. Moi, je pense que par exemple, être très solidaire et d'utiliser la grève comme on fait l'action, les conducteurs, les conductrices des trams et des bus depuis 2 jours, c'est une action de dire non, on n'est pas d'accord, on s'arrête de travailler ou on s'arrête, on visibilise ce qui est en train d'arriver et de se solidariser avec ça. Je crois que c'est très important. Et je crois que l'autre chose qui est très importante, c'est aussi de savoir qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire ici, le coronavirus n'est pas en train d'être seulement en Belgique et il est partout dans le monde. Et les luttes que sont en train de... La situation des femmes dans le monde, c'est bien... Bien sûr, elle est un peu différente d'un côté, plus grave, selon si les gouvernements sont plus à droite, plus à gauche, plus réformistes ou plus dictateurs. Il y aura des petits matices, mais en gros, la situation des femmes est similaire dans tout le monde. Donc, c'est très, très important aussi d'essayer de rester connecté au niveau international et se solidariser
avec les luttes, les visibiliser, de dire ah, et comment est-ce qu'elles sont en train de s'organiser les femmes au Chili, comment est-ce qu'elles sont en train de s'organiser, de résister, de créer des ponts de résistance en Espagne, en Pologne, comme l'a bien dit Roxane. Donc, je pense que reprendre cette idée de lutter et de résister au niveau international peut être la force de pouvoir dire, ben oui, en fait, ce qu'on veut, c'est pas revenir à la normale, parce qu'en fait, la normale, qu'avant le système capitaliste parlait sur la normale, c'était ça le problème. En fait, on veut pas revenir à la normalité parce que la normalité était le problème. Et de se solidariser aussi au niveau international avec les luttes des travailleurs et travailleuses au niveau international. Merci beaucoup Malika pour cette perspective internationale. Effectivement, c'est aussi une perspective qui est très importante pour nous, en tout cas au sein de la gauche anticapitaliste, en se disant, mais si on veut, si on est dans une démarche révolutionnaire et donc si on veut changer la société dans son ensemble, c'est pas possible de le faire uniquement à l'échelle locale et il faut qu'on soit en contact avec d'autres luttes menées à d'autres endroits du monde, mais de le faire aussi de façon en respectant les façons de s'organiser mutuelles en fonction du contexte politique et en fonction du contexte social. Je ne sais pas si l'une d'entre vous a encore envie de réagir ou s'il y a d'autres questions, je regarde ça vite fait. Sinon, moi, j'avais une question pour toi, Rosetta, par rapport à... enfin voilà, on l'a vu très vite, en tout cas les travailleuses dans le secteur du commerce n'ont pas pu arrêter, sont restées en première ligne. On a parlé des premières lignes des travailleuses, bien sûr dans le médical, etc., mais effectivement les travailleuses du commerce, les caissières, etc., sont très exposées au corona aussi. Et donc, ben, très vite, le secteur a été très attaqué aussi avec des horaires surflexibilisés, une surexploitation en fait dans ce cadre-ci. Je voulais avoir un peu ton avis et ton commentaire là-dessus. Attends, excuse-moi, il faut juste le micro. Oui, dès le début de la crise, on s'est très vite rendu compte de tous les problèmes qu'on allait devoir surmonter, et on a dû se battre nous-mêmes, les travailleurs, pour avoir des mesures de sécurité. Il a fallu attendre 3 semaines pour que certaines mesures de sécurité soient mises en place, et encore aujourd'hui, on a pas mal de revendications à ce sujet, parce que comme tu le dis, Roxane, on est aussi en première ligne. Et depuis le début, on commence à fatiguer très, très fortement, parce que je pense que beaucoup de gens n'avaient que cette sortie-là, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'était la seule sortie peut-être d'aller dans le commerce pour se détendre un peu. Ça, en tout cas, nous, on l'a vécu comme ça. On a pas mal de revendications encore à faire et nous sommes en train de les faire. On a encore une réunion demain à ce sujet. Quand tu parlais de s'organiser pour les luttes, oui, je pense qu'il y aura en tout cas un travail à faire là-dessus, quel que soit, de quel côté que ce soit, parce que face à une situation inédite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes armes pour pouvoir réagir. Si je parle par exemple de la même situation, quand on a un problème et qu'on parle de faire un arrêt de travail ou de faire une grève, on se rend compte qu'ici, c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'il fallait garder les distances, parce qu'on ne savait pas arrêter, parce qu'on ne savait pas faire de réunion dans un magasin. Donc, tout ça, on a dû improviser. Donc, on s'est retrouvés, moi, je me suis retrouvée à faire des assemblées dans le magasin proprement dit et plus dans une salle de repos. On a dû faire face à des tas de situations qui étaient tout à fait inconnues et on les vit encore aujourd'hui. Donc, pour revenir à ta question, oui, c'était un peu la boule au ventre et je pense à Malika très fort. C'est la boule au ventre qu'on va travailler, c'est la boule au ventre qu'on doit, comme tu le disais encore tout à l'heure, moi c'est en tout cas c'est ce qui me frappe pour le moment, c'est l'énergie qu'on doit passer à remonter le moral des troupes, s'occuper des problèmes psychologiques qui ne sont pas faits par l'entreprise, tout simplement. Et donc,
C'était vraiment pas évident de savoir que une femme qui travaille à temps partiel, qui n'a pas le droit à rien pour pouvoir sortir un peu du travail, finalement, c'est très compliqué à vivre. Et c'est toutes ces mesures qu'on découvre actuellement et qu'il faudra vraiment prendre une par une à bras-le-corps et trouver des solutions. Mais ce n'est pas chacune dans son coin. Je pense qu'on devra faire un travail en commun dans tous les secteurs et de se rendre compte, de tirer en tout cas des leçons, parce que si on ne le fait pas, ce sera une grave erreur et on sera passé à côté de quelque chose de super important. Oui, merci beaucoup, Rosetta. Alors, peut-être un petit mot, Malika, sur la question de Flora de Sirieux. Mais alors, vraiment un tout petit mot, parce qu'on est en train d'aller vers la fin. Est-ce que le mouvement de la santé en lutte entend également remettre en cause le patriarcat au sein même de l'Organisation du monde médical? Ou est-ce que vous voulez vous limiter à la lutte déjà bien indispensable du refinancement des soins de santé? Je suis assez sidérée de ce monde où l'on est médecin de père en fils plus que de mère en fille et où les valeurs patriarcales s'imposent au détriment de la santé de nombreux publics. Oui, effectivement, le monde de la santé est un monde bien patriarcal. Et donc, voilà, il n'y a pas en fait de limite. Il n'y a pas que la santé en lutte ne compte pas se limiter à quelque chose. D'ailleurs, plusieurs infirmières ou autres ont été présentes aussi dans les luttes de la grève du 8 mars et sont assez présentes dans les deux secteurs. Donc c'est quelque chose qui est toujours pris en compte. Après, c'est quelque chose qui est une énorme lutte, hein, c'est-à-dire aussi sur la hiérarchie qui existe dans le monde médical. Le monde médical, c'est des professions très très patriarcales. Donc effectivement, il reste beaucoup de chemin à faire et voilà. Et c'est en conscientisant justement ça et en s'organisant ensemble qu'on va pouvoir changer tout. Oui, alors moi, je voudrais juste rajouter un petit mot sur la question de la lutte contre les violences, parce qu'on le voit en filigrane des interventions que, en fait, la lutte contre la précarité, contre l'exploitation au travail, contre l'oppression systémique, on doit aussi la lier à une lutte contre les violences. Donc ça, c'est la réalité des personnes opprimées, hein, que ce soit contre le racisme, que ce soit contre le sexisme, on doit aussi lutter à cette échelle-là. Pourquoi ? Parce que c'est précisément aussi le racisme et le sexisme qui organisent aussi l'exploitation salariale, mais aussi qui nous empêchent de nous organiser, qui entravent notre organisation. Hein, c'est-à-dire que quand on vit des violences, ça nous impacte physiquement, ça nous impacte mentalement et ça nous isole et ça nous empêche de lutter pour nos droits aussi. Donc c'est une véritable, ça fait partie intégrante de nos revendications et de ce sur quoi on doit agir, et on doit agir de façon transversale. Et la question des violences, elle transverse tous les milieux, tous les espaces. Voilà, c'est aussi par rapport au sexisme du capital, mais aussi dans nos espaces de militantisme et dans tous les espaces de la société. Le sexisme est partout. Le racisme est partout. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais ? Je pense qu'il y a encore une petite... Je me demande s'il n'y a pas encore une petite question. Non, mais je pense qu'on va clôturer là-dessus. Alors, je vous remercie toutes les intervenantes pour leur participation, mais aussi à toutes les personnes qui nous ont écoutées. Si vous souhaitez nous rejoindre ou en savoir plus sur la gauche anticapitaliste, nos activités, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou par mail via notre site internet. Et puis aussi, pour le mot de la fin, ben, vraiment, où que vous soyez, courage à vous toutes, courage à nous toutes dans nos luttes. Tentons aussi dans nos luttes d'injecter les revendications
des luttes des autres, parce qu'en fait, quand on lutte pour nous, quand on lutte pour les autres, ben, on avance ensemble. Et la conclusion, c'est aussi rappelons-nous constamment que nos vies, elles valent plus que leur profit. On doit défendre nos vies et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Donc faisons-le et continuons à le faire. Voilà. Merci tout le monde et à la prochaine. Merci.